Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir amis téléspectateurs d'Info de Babi. Alors nous sommes à l'aéroport international Félix Ifoat-Poigny pour l'arrivée de l'artiste Abou Nidal de Genève. Bon, voici l'équipe et les fans sont présents pour accueillir l'artiste après un mois d'absence. Il revient avec beaucoup, beaucoup de choses. Il ne sait même pas que nous sommes présents ici pour l'attendre. C'est la grosse surprise tout à l'heure. Ici, même, vous allez voir sortir l'artiste. On va l'acclamer. Et voici ces belles demoiselles qui sont avec nous. Elles vont lui offrir un bouquet de fleurs bleues qui signifie fidélité, courage, assez d'abnégation, de travail. Et toute cette équipe du Waratour est là pour dire à quoi Abou Nidal, comme vous pouvez le constater ici. L'espoir de la jeunesse ivoirienne, Abou Nidal, en live. En live. Ok, tout à l'heure. On est en train d'avancer comme ça. Moi, c'est Lewis Parker, Miss Kelly, et puis Claire. C'est les jumelles, hein? Claire, et puis Sarah. Et à côté de moi, le barbu. Voilà. Fally la puissance. Fally la puissance. Momo 5. Manager, Momo 5. Mignon, Roger Mignon. Tout le monde est là. Naza là, Naza la boss. Naza également, Naza. Naza. Voilà. C'est le fan club Abou Nidal. À quoi parle le Warapos? J'attends l'artiste qui va sortir tout à l'heure d'un moment à un autre. Alors, je vous exhorte à rester avec nous pour suivre ce qui va se passer tout à l'heure. Merci, à tout de suite. Le Wara Boss! Oui. Ouais. Attendez, on va lui donner sa fleur. Le Boss. Le National. L'espoir de la famille. Le Dangote ivoirien. Bienvenue à Abidjan. Voilà, mesdames, messieurs, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, l'artiste, il est là, l'espoir de toute la jeunesse ivoirienne aujourd'hui qui vient de faire plusieurs rencontres en Europe. Alors, il vient d'arriver avec tout ce fan club qui a eu la primeur de le rencontrer et de venir à son accueil. Alors, on va l'applaudir très fort parce qu'il est là. On voit que notre héros national est arrivé avec un trophée à la main. Il va s'adresser donc à la nation, monsieur Abou Nidal, la nation vous appartient. Merci beaucoup. Alors, voilà le trophée. C'est un trophée qui a été remis à Genève. Voilà, à Genève, le village, le gros village. Oui. Voilà, donc c'était un plaisir pour moi de retrouver les frères, la famille, les amis et tout ça, la diaspora. D'ailleurs, la diaspora nous a attribué ce trophée par rapport à tout ce que nous faisons dans la culture, dans l'éducation. Donc, c'est un trophée qui est décerné au Waratour. Voilà, la tournée nationale d'excellence en milieu scolaire. Warapos est arrivé avec le trophée, mais le trophée, c'est un trophée qui appartient à toute la Wara Family, à tous ceux qui travaillent sur ce projet, de loin ou de près, à tous les parrains, à toute la Côte d'Ivoire d'ailleurs, parce que c'est tous les artistes qui nous accompagnent pour ce projet. Donc ce trophée est lié à tous les artistes de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et merci encore à la diaspora. Au-delà de ce trophée, quelles sont les rencontres que vous avez effectivement à faire à... Alors, nous sommes allés pour évidemment faire le bilan de ces cinq années de sensibilisation, de caravanes, de dons de soi, surtout d'encouragement et surtout encore de permettre aux jeunes d'être scolarisés. Nous avons été reçus dans le bureau international de l'UNESCO avec le directeur général, monsieur. Yao Ido, que j'ai salué d'ailleurs, qui nous a encouragé de continuer dans cette lancée. Nous avons aussi rencontré aussi l'ambassadrice des Émirats Arabes Unis auprès de l'ONU. Voilà, nous avons rencontré aussi M. Nasser, qui est le président de la fondation saoudienne, qui font beaucoup pour le développement durable. Donc, on dit que l'artiste
peut faire danser, l'artiste peut vous donner de la joie. Mais l'artiste aussi, quand il mène des actions, ça permet aussi d'être soutenu, d'être accompagné, d'être encouragé. Alors nous nous félicitons, nous allons nous battre, nous allons continuer dans cette lancée. D'ailleurs, nous avons profité aussi de donner un petit show à Genève, ouais. Une réunion des familles, j'appelle ça la réunion des familles parce que c'est les amis, c'est les frères, ça fait quand même trois ans voilà, qu'ils n'avaient pas vu à vous niveau en spectacle, ouais. Je dis en spectacle en Suisse. Ouais. Donc nous avons donné des spectacles aux amis. Ici à Paris, nous avons accompagné Madjane Fitine qui était vraiment un très bon show, un très bon concert. Je dis merci à tous les promoteurs, à tous les partenaires, d'ailleurs à chaque Gabi qui est le tourneur. Merci beaucoup. Alors j'ai dit que ce n'était pas une tournée européenne, ce n'était pas une tournée artistique, c'était plutôt des rencontres. Mais comme on est artiste, quand on est arrivé, il y a eu des sollicitations, donc on a profité de donner quand même quelques spectacles pour dire aux gens qu'on est encore aussi musicalement parlant. Nous avons profité aussi pour commencer la promotion à l'international, la tournée presse du nouvel album Confirmation, avec ces deux singles qui vont certainement à Abidjan et Bassam Tchétché. Alors nous avons été reçus par Fox TV, Fox Africa, je salue derrière Benito et la ravissante animatrice. Voilà, qui nous a accueillis. Voilà, je dis merci à tous les fans, merci à la Côte d'Ivoire, c'est tout ce que nous avons fait. Merci vraiment, bienvenue à Abidjan, la ville du feu éboigné. Y a l'amour, la joie, la vie. Y a des jolies femmes aussi. Ici y a pas d'ennui. Tu t'amuses le jour comme la nuit. Sapologie, griffologie. C'est versé à Abidjan. L'amour, la danse et la folie. Tu trouveras à Abidjan. Franchement, y a bon son de. Moi j'ai fait le tour du monde. Franchement, y a bon son de. Maman, oh, Abidjan, oh, Abidjan, Fatoum Sidibé, oh, Asta Lumière, Abidjan, Roger Aka, le PDG, Abidjan, Abidjan, tu veux l'ambiance, viens Abidjan, Abidjan, Didier Drogba, viens d'Abidjan, Abidjan.